Et le départ, et ben ça y est, le départ est donné au drapeau tricolore et comme leurs grands camarades, au drapeau jaune jusqu'à la sortie du premier virage où le drapeau vert sera agité, leur signifiant qu'ils peuvent laisser libre cours à leur attaque et à leur dépassement. Pour l'instant, Tom Villa, qui est suivi comme son ombre par Anthony Perrier et la Motule. Et bien sûr, Sacha Borg qui n'en perd pas une miette parce que lui aussi, ben, il est en train de jouer une place sur la finale à Superbès. Tom Villa, c'est sûr, il a déjà retenu sa chambre à l'hôtel. En ce qui concerne le deuxième qualifié, c'est plus compliqué puisque entre la Motule d'Anthony Perrier et donc la binette de Sacha Borg, rien n'est joué. Il va falloir se bagarrer dans cette finale pour aller chercher sa place qualificative. Ça va se jouer à rien du tout. Et on saura dès l'arrivée passée parce que nos amis du chronomètre nous informent immédiatement avec les classements. Alors là, beaucoup plus compliqué que les voitures qu'on a vues tout à l'heure. Regardez d'ailleurs la Loxam là, de Marcelin Z qui a été visité un petit peu à l'extérieur. Parce que ces voitures n'ont que deux roues motrices. Hein, deux roues motrices, deux roues directrices. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avec les quatre roues motrices, bien sûr. Quand on débute, c'est pas évident. Et pour l'instant, donc, Tom Villa largement en tête avec 2 secondes 4 d'avance sur Anthony Perrier, 4 secondes et demie sur Sacha Borg et 9 secondes sur Marcelin Z. Alors que voilà, Denitsa Kudumova qui passe maintenant, toujours aussi appliqué, mais qui malgré tout est un petit peu loin du temps réalisé par Tom Villa tout à l'heure. Ah, alors qu'on a une nouvelle figure là-bas, me semble-t-il, de Marcelin Z. Ouais, c'est lui qui va laisser passer Denitsa. D'ailleurs, voilà, elle va passer derrière lui tranquillement. C'est pas le moment de reculer. Et voilà, maintenant, il va pouvoir repartir. Et Denitsa qui gagne une place. Alors que devant, ben voilà, ça jardine aussi du côté d'Anthony Perrier. Et Sacha Borg en profite. Donc là, peut-être que la super finale de Superbès est en train de s'envoler pour Anthony Perrier qui a été voir de plus près le photographe qui était à l'extérieur de l'épingle Yokohama du fond du circuit. Ah, il voulait un gros plan hein, pour les souvenirs. Mais il perd beaucoup de terrain. Ce qui permet à Sacha Borg peut-être d'aller récupérer la deuxième place qualificative pour la finale de Superbès. Et que Tom Villa, lui, le coup de la portière, comme on dit, tranquille. Il assure ses trajectoires, il surveille de ne pas aller dans les endroits infréquentables à cause des ornières, du goudron, de tout ce qui peut gêner sa progression. Il prend d'énormes précautions. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas dans cette finale, il ne cherche pas à aller vite. Il a bien compris, dans les manches qualifs, il fallait aller vite pour que les chronos tombent. Là, c'est juste la place qui compte. Donc, il a réussi à partir devant. Il a réussi, en regardant dans ses rétros, à distancer tous ses petits camarades, puisque lorsqu'il était passé tout à l'heure, il avait 6 secondes d'avance pratiquement sur son suivant qui était Anthony Perrier. Maintenant, c'est Sacha Borg qui est derrière lui. Mais je pense que l'écart, oui, 8 secondes même d'écart à son avantage. Donc, il peut tranquillement envisager la suite des événements puisqu'il lui reste 2 tours et commencer à s'entraîner pour préparer son week-end à Superbès le 27 janvier pour tenter d'être celui qui inscrira son nom à l'Andros Battle de ce 35e Mitrofe Andros. Alors que Sacha Borg, lui, est peut-être bien parti pour réaliser le bon coup et prendre la deuxième place qualificative. Des voitures qui ont été au tout début de l'histoire de l'électrique sur le Trophée Andros. Puis c'est celle que vous voyez à l'image ici, cette voiture numéro 3, et bien c'est celle qui a remporté, c'était ici d'ailleurs, la première course 100% électrique qui avait eu lieu au monde à l'époque. Et c'était un certain Jean-Baptiste Dubourg qui s'était imposé. Et bien cette voiture, elle est toujours là et elle va s'imposer à nouveau ce week-end ici, sur ce même circuit de Val Thorens avec Tom Villa à son volant. Ah, puis vous avez remarqué, hein, il est... Ah, nouvelle petite figure là pour Marcelin Z. Et le ref est défait. Ben, ça permet à Denitsa Ekonomova de s'échapper un petit peu. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, là voilà, Denitsa. Très oui, Z comme zigzag. Hein. C'est ça, oui. C'est un peu ça aussi. Voilà. Et donc on attend le passage sur la ligne pour le dernier tour dans quelques instants maintenant pour Tom Villa. Là voilà, la voiture Andros. Il va arriver sous l'arche du circuit dans quelques instants. C'est l'arche qui permet d'aller dans le centre du circuit. La ligne de chronométrage. Et il va rentrer dans quelques instants dans son dernier tour. Et voilà.
Dernier tour pour Tom Villa. Alors, il aura fait le grand chelem parce qu'en plus, il va récupérer le record du tour dans cette finale. Petit point supplémentaire. Bon, lui, il n'en avait pas besoin hein, parce qu'il était assuré avant même le départ de cette finale de partir à Superbès pour tenter de gagner. Alors qu'on entend bien Thierry là, je sais pas où il est. Il y a pardon, c'est moi qui ai laissé mon micro ouvert pour laisser passer M. Philippe Bansard et toute la famille. Ok, ben tu les salues pour nous. Je tiens à vous le dire, mais j'ai surtout un petit interlocuteur. C'est fini Philippe ou... Non, pas encore. Alors on laisse finir parce que j'ai une surprise pour vous après. D'accord, avec grand plaisir. Pour l'instant, on a une belle bagarre là avec Anthony Perrier et Marcelin Z. Marcelin Z qui a trouvé beaucoup de choses à aller voir sur les côtés de la piste tout à l'heure. Alors voilà, Denitsa qui va... Attention Tom, ah oui, je crois qu'il partait à la faute là. Denitsa qui va prendre le dernier tour et Tom qui va passer, lui le drapeau à damier. Voilà, c'est fait. Donc premier qualifié officiellement pour la grande finale de Superbès le 27 janvier 2024. C'est Tom Villa qui pilotait ce week-end la voiture Andros. Alors je ne sais pas... Et s'il retrouvera la même voiture du côté de la finale ou si ça sera tiré au sort, mais pour l'instant lui il est qualifié. Alors après on va attendre parce que il y avait une grosse bagarre entre Sacha Borg et Anthony Perrier. Donc je ne sais pas si Anthony Perrier va pouvoir conserver sa deuxième place ou si Sacha Borg va lui piquer. On va attendre le classement officiel que va nous donner le chronométrage dans quelques minutes.